tout le monde, donc aujourd'hui on va faire un pique-nique, donc je vous filme tout ça, donc on va y aller vers à peu près 20h, on se dit que vu qu'il fait chaud, comme ça on profite un peu de l'air frais, donc on a tout noté, donc je vais cuisiner avec ma maman, donc à 4 mains, comme ça du coup on ira plus vite et c'est plus fun que tout seul. Ah oui. Donc pour les boissons, donc il y a des numéros mais c'est pas bien grave, ça c'est pour nous pour savoir par quoi on commence. Ouais. Donc on a par exemple les boissons, donc Mojito maison sans alcool, betterave ramadan, ça c'est maman qui aime bien faire ça pendant le ramadan. C'est trop bon avec la fleur d'oranger, c'est ça. Oui, avec le plat, donc on va faire des nanos au fromage, des roulés à la dinde, donc des tu dis qu'ils font pas attention à ces notes-là, des commentaires pour online. Des oui, c'est bon, oui, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. On écrit ça vite fait, donc après on va faire des bâtonnets de légumes. Les abonnés sont sympas, toi. Ouais, il y en a plein. On m'a entendu, ah non, on n'est pas là. Non, c'est pas vrai. Il y a des bâtonnets de légumes, donc il y aura carottes, concombres et... Tomates cerises. Hummus, guacamole et mayonnaise maison, sans huile. Ouais, juste avec du fromage et des œufs. Rôti froid à la vapeur, chips au sarrasin, pour le sucre on va faire des rôti de poulet en fait. On n'a pas précisé que c'était le poulet, mais non on le sait, mais bon ils vont rendre avec. Oui, c'est du rôti de poulet, oui enfin, quand même. Ouais. Des chou-roufs, donc gaufres en bâtonnets, des cannelés bourdonnés. Donc les chou-roufs c'est mi-gaufres, mi-chou-roufs et en bâtonnets, comme une brochette. Comme ça on prendra Nutella, pas besoin de se le faire fondre avec la chaleur, et on prendra dans le tout Nutella. Toi c'est notre cheat meal quoi. Ouais c'est ça, parce que toute la semaine on fait attention. C'est ça. Allez c'est parti. Alors là, du coup, on va commencer par le rôti de poulet. Du coup, chacune a sa tâche. Donc, ma mère, elle fait le poulet, le rôti de poulet. Donc, poulet, paprika, oignon. Et moi, du coup, je suis en train de faire les wraps. Donc, avec tranches de dinde, du fromage frais et du persil. Également qu'on a sur le jardin, la terrasse. Voilà.
tout ça, c'est le reste du frigo. Vu qu'on a nettoyé le frigo tout à l'heure, on a vidé et tout ça, on va l'utiliser pour faire le pique-nique. Comme ça, on jette pas ou on fait pas de gaspillage. On garde vraiment tout. Et du coup, là, pour ma part, moi, j'ai terminé de faire les grappes. Je vais du coup venir les couper. Et pour décorer, donc pour Yed, il y aura des petits trucs comme ça. Ça, c'est Yed, c'est mon petit frère. Ouais. Et ça, c'est mon bébé. Voilà, ça, c'est des petits yeux, un peu chelou, mais bon, c'est pour les enfants. On a plein de petits trucs comme ça, je trouve ça trop mignon. Voilà, ça, c'est pour Yed. Moi, j'aime trop ces trucs-là. Je les mets dans quoi, vraiment, d'habitude? Voilà, comme ça, ça donne envie de manger. Hop. Et du coup, pour les grands, parce que bon, on reste quand même un petit peu plus moins mignon, mais voilà, on reste plus adulte. On va prendre ceux-là. Et puis aussi, on peut prendre aussi un petit peu ceux-là, on les achetait à Action, pour pas très très cher. Mais on a trouvé ça super mignon et ça fait vraiment été, quoi. Avec la pastèque et tout. Voilà. Ouais, ça, c'est vrai, hein, quand on n'a pas prévu aujourd'hui de couper des fruits. Parce que j'ai pris des abricots. Ouais. Mais si tu coupes de la pastèque et tout ça, c'est bien de piquer avec ça. C'est ça. Ils sont assez longs, donc ça pique bien. Bon, Action, je trouve, de toute façon. Et du coup, ça, c'est le poulet que maman elle a fait. Elle va le faire cuire à la vapeur. Voilà. Avec des petits lions, des petites grenouilles, des éléphants. Enfin bref. C'est les petits animaux de la forêt en fait. Et puis bah pour les grands, on a fait quelque chose de simple, mais c'est coloré, c'est mignon, moi j'aime bien. On n'a pas pris ceux-là finalement parce qu'ils vont être grands. Et pour emmener, si vous êtes à la maison, vous pouvez. Mais nous en fait on va les emmener. Donc ça va pas être pratique. Et puis surtout ça va être beaucoup trop grand. Donc on a fait ceux-là, qui sont très mignons, sont simples, sont mignons. Voilà, on va attaquer à la suite. Là, on va faire des cabinets. Donc là, du coup, je mets 100 grammes dessus. Ça, c'est le cahier de maman. C'est ça. Tu peux faire moins. Hein. Moi, j'aime bien quand t'es pas assez dessus. Bah, on fait 80. Ouais, mais 80. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Allez, c'est... Ah, pas, 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 doucement, ça va aller vite, hein. Oui, t'as dit. Là, 10 grammes, c'est bon, hein. C'est bon. Comment se battre pour être... C'est pas grave, Yaya. Ça va dépasser. Allez, laisse 99. Ah, oh, regardez. C'est pas du professionnel. Et là, on a le cahier de recettes. Et à de la fontier et un jambe d'œuf. Après, dans la casserole, tu vas préparer 250 ml de lait avec 25 g de beurre, de la vanille. Et après, on mélangera l'appareil chaud sur l'appareil froid. Voilà. Hop. Mettre l'extrait de vanille. Thank you.
qu'on a déjà fait pour pas ce qu'on se perde. Donc on a fait le rôti. Ouais. On a fait. Le cannelé. Juste la cuisson, vous restez frais pour la soupe. Voilà, on a fait les frappes. Voilà, là on va s'attaquer au couteau et à la betterave pour que ça soit frais. Pour que... Voilà, on va faire les soupes. C'est parti, on va les mettre au frais. Ça va déjà comme ça. C'est protégé. Le cannelé, bien le mouche. Le cannelé, c'est un peu chaud l'appareil, on attend juste que ce soit un petit peu bien. Donc là, du coup, on va s'attaquer au morito. Ouais. Donc, on a de la menthe. Donc celle du jardin, maman veut la garder puisqu'elle adore la menthe. Si, on peut décorer avec, mais je veux pas toute la couper. Oui, voilà. Donc on en a comme ça. Ensuite, on a le sucre muscovado et c'est un toscane. Voilà. On a la râpe pour le citron. Yes, on va prendre le zeste et on va bien l'écraser avec le sucre et la menthe. Ça, on va sortir toute la l'essence du citron. Et On a deux citrons bio. Oui. On a le pilon. Écraser la menthe et le citron et le presse agrume et le verre pour mettre. C'est parti! Donc là du coup je viens de finir de mettre le citron, les zestes de citron et la menthe et je vais venir du coup mettre le sucre donc muscovado. Donc là du coup maman est en train de mettre le thym pour le rôti, donc elle va le rouler dedans, il vient du jardin, voilà, frais. Donc pour le morito c'est bon, c'est terminé, là on va mettre tout ça au frais pour tout à l'heure et du coup là le rôti avec le thym.
Alors moi du coup j'ai les légumes à couper en bâtonnets. Donc après quand ils seront coupés je les mettrai dans l'eau. Et là du coup maman va faire le betterave ramadan. Alors du coup ma mère a fait le betterave ramadan, donc elle a mis les deux betteraves crues. On peut faire aussi les betteraves sous vide hein, mais moi je préfère cru comme ça. Avec du lait meilleur. Du lait, voilà, on prend les vaches ou les végétales. On prend le sucre qu'on veut. Moi j'ai pris le sucre de coco, comme ça elle va pas faire augmenter le taux de sucre de la boisson. Et à la fin. On fait la pâte à churros et après on va faire les churros. Donc on va faire les cannelés. Là on a la pâte pour les churros et là on a l'appareil pour les faire. Voilà. Il y en aura un, il y aura moitié surprise. Oh, regardez-moi ça.